The sweet embrace lingers on my spine. Ce vignoble, d'où vient-il? D'où vient-il? Il vient du 13e et du 14e siècle. Et ce que vous avez fait ici est évidemment tout à fait extraordinaire, parce que outre le chai, vous avez remis en valeur l'ensemble de ce parc qui est superbe, en plein cœur de ville. Et puis je sais que vous attachez une très grande importance à la façon dont le vin est fait ici. Vous êtes un adepte de la viticulture raisonnée. Il n'y a pas de plus beau projet, peut-être. Vous l'avez réalisé. Bravo. C'est magnifique. Tradition et modernité, et le vin, c'est la tradition et la modernité. Bravo, cher Patrice, pour cette magnifique réalisation. Tout ça à la gloire de ce mystère sublime qu'est le vin, et donc à notre gloire. Parce que tout est naturel, et à partir du moment où tu le sais, c'était un grand privilège de connaître un petit peu l'envers et l'endroit de ce monument. En fait. Le château le prend vraiment une autre ampleur, une autre dimension. Et après, on s'est dit, mais puisqu'on a ce choix technique, puisque l'endroit est magique, puisque c'est ouvert sur la ville, pourquoi se priver d'avoir un esthétique de grande qualité? Et on voulait un bâtiment magique. Et cette magie a besoin d'une crypte. C'est une idée, un concept qui est là pour émouvoir. C'est un bâtiment qui est dans la vérité. Il n'y a rien de faux. Tous les matériaux sont vrais. Tout a une fonction. Quand on est aussi dans la vérité, on est un petit peu dans la garantie, je crois encore, de la durabilité. Voilà une bonne réponse. Love me.